Je vous invite à accueillir par un vibrant applaudissement le président de la République, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse. Restez debout pour observer une minute de silence pour les quatre douaniers brûlés à vif, je dirais, à Malpasse en novembre 2018. Ils sont morts dans l'exercice de leur fonction. Ils sont morts dans cette lutte acharnée que nous sommes en train de mener contre la corruption dans ce pays. Ce sont des martyrs, ce sont des héros. Merci, asseyez-vous. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur de la douane de l'aéroport, Mesdames, Messieurs les cadres, directeurs de l'administration générale des douanes, Monsieur le représentant AI de la Banque mondiale en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les brigadiers du système douanier haïtien, Monsieur le directeur exécutif de la firme de construction de ce bâtiment, SOPEC Plus, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs. Depuis le premier jour de mon installation, je me suis toujours attelé, malgré la puissance des vents contraires, à doter le pays d'un ensemble d'infrastructures capables d'améliorer sa compétitivité et de faciliter son développement. Plus de 4 ans après, un simple coup d'œil à travers le paysage national suffit pour se rendre compte que des infrastructures positives ont été effectuées et serviront de modèle pour les initiatives futures visant à changer notre image, notre économie et notre vie de peuple. C'est dans le cadre de ces efforts constants pour améliorer et renforcer les capacités de l'administration générale des douanes, pour une collecte toujours croissante de recettes fiscales, que j'ai le plaisir d'inaugurer aujourd'hui le nouveau bâtiment logeant la douane de l'aéroport. Mesdames, Messieurs, nous sommes à un moment où toutes les énergies de l'administration douanière doivent se focaliser sur la nécessité de freiner la contrebande et le trafic illicite de certaines marchandises, dont les armes à feu et les munitions, qui contribuent à détériorer le climat sécuritaire et endeuillent nos familles. Il est donc crucial de pouvoir mettre à disposition des employés de la douane, de l'aéroport, un local qui répond à leurs exigences de fonctionnement. Travailler dans un espace propre, spacieux et adapté offrira aux employés de meilleures conditions pour se hisser à la hauteur de la mission qui leur est confiée avec encore plus de professionnalisme. L'intelligent agencement des espaces de prestation de services rendra certainement plus aisé les démarches administratives des contribuables et amoindrira les impatiences générées par la lenteur découlant des demandes à satisfaire. L'inauguration de ce nouveau bâtiment témoigne de ma détermination à munir l'administration publique haïtienne d'espace de travail qui incite nos fonctionnaires à donner le meilleur d'eux-mêmes
et à créer un climat où les contribuables peuvent remplir leurs devoirs fiscaux dans le respect de leurs droits et de leur dignité citoyenne. Je tiens à manifester la reconnaissance de mon administration à la Banque mondiale qui, depuis plus de 10 ans, accompagne l'État haïtien à travers le financement continu de programmes de renforcement des infrastructures et des institutions du pays. Merci d'avoir contribué à la construction de ce beau bâtiment. Cadres et employés de l'administration douanière, je vous exhorte à prendre conscience de la lourde responsabilité qui vous incombe au niveau fiscal. Je tiens aussi et surtout à vous rappeler l'une de vos plus grandes missions qui est de contribuer à l'établissement d'un climat de sécurité, de stabilité, de confiance et de paix indispensable au développement des activités économiques. J'attends donc de l'administration générale des douanes un regain de vigilance dans cette bataille incessante que nous menons contre la criminalité transnationale, la contrebande et les trafics illicites qui ruinent notre économie, étouffent notre commerce et freinent les élans de croissance de notre production nationale. J'encourage ardemment nos douaniers à poursuivre les efforts consentis en vue d'assurer une augmentation continue du niveau des recettes aux fins d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Je les invite à rester fermes au poste, à se tenir loin de la corruption et à ne point baisser les bras face aux assauts de la contrebande et de la criminalité transnationale. Ce n'est qu'ainsi que l'AGD sera en mesure de continuer à maintenir le niveau des recettes fiscales constamment à la hausse, à contrôler efficacement la circulation des marchandises à travers nos frontières, à protéger notre pays de la criminalité et du terrorisme international qui déstabilise aujourd'hui nombre.
Ça veut dire, recette douanière, si nous comprenons bien, il y a un pile. Constat nous fait dans le droit de nous, grave en pile, ni sous plan économique, ni sous plan stabilité politique pays. Sous plan économique, dans le chiffre qui vient là, la douane perdit plus de 500 millions de dollars américains chaque année comme recette fiscale. Côte comme ça, dans la poche vos autobus ici. Mais pas oublier, je dis nous ça, ce sont celles autobus qui viennent dans le pays, c'est l'État. Ça veut dire la douane, c'est celles autobus si vous y venez, qui est là pour toucher l'argent de l'État. Dans le monde qui décide faire business, monde qui décide acheter dans le pays étranger pour venir revendre, monde qui décide exporter bien, c'est seuls autobus qui gagnent pour l'argent. Ça va dans la poche, c'est la douane. L'aime garder chiffre ça. Si nous avons fait un petit calcul, dans 4 ans, nous avons fait 2 milliards de dollars. Nous avons fait 2 dollars. Nous avons combien l'hôpital, centre de santé, combien de salles de classe, combien de centrales électriques, combien de réseaux électriques, routes, barrages d'irrigation, gros pépinières, nous avons fait des centaines de places, système d'irrigation qui marche avec le soleil. Kaye pour moun ki pi faible yo rete comme aéroport pour l'école professionnelle à campus universitaire nous t'a construit pour peuple là. Si nous pas perdu comme ça, mais puis gros problème qui gagnent là, l'état prend mesure pour bloquer des autres, ça mettre l'autre dans la douane, c'est douanier ou boulet. Ces douaniers ont assassiné. Ces douaniers ont menacé.
ces douaniers, ils sont pour fusiller. C'est route qui est bloquée, c'est grève qui fait. Parce que il y a un pile monde qui a fait gros l'argent. Un pile l'argent. Là, il y a des autres dans la douane. Si je me dis, nous, on l'a. Problème mieux, ce n'est pas tout le monde qui a résolu. Mais on commence à résoudre en pile dans l'eau. Dans pile qui fait le monde mal. Même à dire nous ça aujourd'hui, fuck, c'est ça nous fait. Si nous voulons quitter un pays meilleur, pour tout le monde qui venir, pour petit monde, avec petit monde, fuck, il y a une grosse réforme qui fait nos affaires, électricité dans le pays, fuck, il y a une grosse réforme qui fait nos affaires, route, fuck, il y a une grosse réforme qui fait nos affaires, genre l'État a dépensé l'argent pour acheter gaz dans le pays. Mais il faut que la réforme fasse tout. Nous avons fait la douane à DG. Ça veut dire nous, après 4 années, la réforme est beaucoup fin fait. Ça veut dire qu'il faut nous continuer la bataille pour que la réforme continue à faire. Nous tous contentons, nous qu'on voit qui quantité d'armes et munitions qui peuvent rentrer. Non, pour nous. Zam sa yo, munitions sa yo, c'est yo kap si men, troubles ak dey dans la famille. C'est yo kap si men, troubles ak dey dans toute société. Haïti pas produit ni zam, ni munitions. Bagay sa yo soti, l'autre bord de l'eau. Et yo passe dans le port. Yo passe dans l'aéroport, ak nan frontière nou yo. Pour rentrer dans le pays. C'est responsabilité pas nous dans l'État de nous travailler avec tout douanier pour nous prendre un bon jamaisie pour freiner les contrebande, empêcher les armes, munitions et drogues ce qu'il est dans le pays. C'est rôle nous comme l'État. Mais la décision ça va pour nous. Il faut que tout le monde fâche. Mais si nous voulons protéger la société, si nous voulons payer à démarrer sur le plan économique, si nous voulons gagner une bonne stabilité politique et sociale dans le pays, les mesures, c'est une obligé pour nous. Et les mesures, il faut que nous prenions. Ministre Finance, ministre Justice, secrétaire d'État Sécurité publique, ministre Intérieur, directeur général de la douane, directeur général de la police, mettez-nous en taille pour nous couper contre les bandes. Contre les bandes, nous avons tenté de offrir l'argent pour quitter passer vieux marchandises pour nous. Nous connaissons, nous ne pouvons pas quitter ça arriver. Même nous connaissons parfois, nous prenons gros la même, nous connaissons ça. Parce que nous-mêmes, nous travaillons, brigadier, mais nous, les gens qui ont fait vieux actes, nous sommes ingénieux en pile. Nous travaillons parce que nous voulons une douane qui est moderne, qui est plus efficace. Qui est adapté à l'exigence technologique. Comme ça, chaque agent douanier a senti fier pour faire partie d'une institution que la société a payé à besoin. Pas de développement sans la douane. Pas de croissance économique sans la douane. Pas de stabilité politique sans la douane. Parce que tout ça pour nous faire, c'est l'argent pour l'État à jouer pour le faire. Et moyen, c'est la douane avec des gens qui l'a voté. Frère Maxime, pendant 3 dernières années, le pays a connu 3 catastrophes majeures.
Nous voulons parler de pays loc, coronavirus et kidnapping. Coronavirus là, c'est une maladie qui vient, tant qu'on ne va pas tout d'un coup. Les potes en pile chrétien vivant aller dans le pays Saint-Jacques, dans le monde entier. Nous-mêmes en Haïti, nous sommes obligés de prendre une décision pour fermer le pays pour un bon bout de temps. Nous connaissons qui ça a été fait sur l'économie du pays. Gros dégâts, un pile problème. Mais, dès l'autre catastrophe, on voulait parler de pays là à kidnapper, c'est nous-mêmes qui provoquons la catastrophe. Maintenant, il y a une pensée spéciale pour tout le monde, tout groupe dans la société qui est victime des actes malhonnêtes. Dernier week-end, c'est terrible en pile. L'église frappée. En pile monde, l'autre groupe dans la société a frappé. La fléau, ça. Mais nous, pas baisser les voix. Je voulais rappeler tout frère Maxime qui décidait de faire politique dans le pays. Que nous tous, à la bombe, qu'est-ce qui est dans l'opposition? Qu'est-ce qui est dans le pouvoir? Nous, on sait le tout. Peuple là, peuple haïtien. Et je dis, nous, côté mieux là, je suis mieux placé. Pour me dire, nous, que bagayou arrive dans Kalfou. Moi-même en tant que premier citoyen pays. Nous pour nous quitter ça qui divise nous derrière. Pour nous concentrer nous sur ça qui nous unit. Parce que ça qui divise nous depuis longtemps. Gardez qui boit au menem. Gardez côté nous, je vous dis. Kidnapping, c'est un gros fléau. Puis, mon manière pour nous finir avec le problème, ça, c'est mettre tête nous ensemble pour nous mettre contre. C'est pas. Tous ces moyens, péter bataille, on a je suis conscient que l'État doit faire plus d'efforts dans la bataille contre la catastrophe, kidnapping et crime organisé dans le pays. C'est pour ça que toujours par l'autorité qui l'a pour ça, instruction claire pour mettre plus de vigilance et d'intelligence dans le combat à mener contre les fléaux. Les pays, famille que la catastrophe ça a frappé, je suis des cris, je suis des rêves, je suis des voix. Je n'ai rien dormi dans les yeux. Même je me songe. 2 heures du matin, je ne parle pas avec quelqu'un qui est proche. Je suis kidnappé. Je fais tout ça la loi que je dois faire. Pour que bon gens solution qu'à venir pour résoudre le problème. Mais une autre fois encore. Je profite de moment ça pour me parler avec protagoniste de la crise politique, sociale et économique qui a bouleversé le pays. Division ça a installé corps dans le monde. Depuis nous avons décision, nous avons tous les deux amis en 1806. Pour y arriver juste journée aujourd'hui, division ça par hasard. Pas quitter personne qui dit nous sommes hasard. Division ça c'est une stratégie que un petit groupe nous crée. Et un petit groupe nous a. Malheureusement, parfois nous avons des gens accusés pays, petit groupe nous sommes dans le pays. Et nous toujours là. Ils ont créé une stratégie ça à son genre pour toujours gagner l'État en bas de griffe. Ça veut dire,
plus bonne manière pour que ça marche, c'est de soulever le peuple tout le temps contre les gens qui dirigent pour créer une stabilité pour politique permanente. Ou même aujourd'hui, quand je regarde là, la chambre de terre. Maintenant, de toute qualité de parole, même si nous crise ça, nous avons aujourd'hui, nous avons fait une grosse opportunité pour nous étonner le monde. Nous avons étonné le monde entier. Même si nous avons fait ça, dans la bataille vertière, 18 novembre 1803. Pour nous convertir la crise en opportunité, les gens ont en pile sagesse, en pile courage, en pile dépassement de soi, en pile détermination. Je dis à ces gens qui l'ont, côté mien, pour le peuple ça l'on souffre, souvenir à faire peuple par intérêt. Ou faire demande, ou faire trois mandats, ou faire président à vie. Mais de pour venir, ou voulez peuple ça, vous voulez parler de 5 millions de monde qui vivent dans la crasse dans le pays. Vous voulez parler de 500 000 petits monde qui parlent l'école chaque année. Vous voulez parler de 70% de jeunes à diplôme dans le pays qui parlent de travail dans le pays. Depuis c'est pour vous, vous voulez venir parler, le système ça pas quitté au dirige. Même j'en noue, j'en ai dit fait, j'en ai de l'eau, j'en ai pété de nuit. Pendant 4 ans, 2 mois, il n'y a pas jamais de la peur. Parce que j'ai des bagages tout, je n'ai pas jamais accepté. C'est pour ça que le pays n'a pas jamais la peur. Si nous vivons ça, moi-même, moi, comme dit nous, frère, monsieur, qui est dans la politique, yo, moi, je crois que je suis bien placé par ce aujourd'hui, pour me dire, nous, restez une dernière chance. Pas même bien deux. Une seule. Chance pour nous mettre tête ensemble. Pour nous pas quitter le système, ça, régénérer tête. Parce que la régénérer tête, est sous nous là, sans nous pas même nous. Ça qui a passé là, c'est un perpétuel recommencement. Je voulais parler des affaires de kidnapping. Nous songeons dans l'année 2004, comment on a eu le kidnapping. Il était Valentino, kidnapping tout le monde jeune. Je dis, kidnapping de tous côtés. Parce que le pays est arrivé dans le calfou. Il y a des gens qui ont dit son calfou dangereux. Moi, je n'ai pas dit son calfou dangereux. Moi, je dis son calfou d'opportunité. Le pays est arrivé dans le calfou. Côté, il y a des gens qui ont tête les jours d'hier. Qui croient que ce n'est pas persécuter frère seul. Ce n'est pas gourmet avec eux. Ce n'est pas créer crise politique dans le pays qui est capable de mener nous sur route de changement et de développement. Mais quoi, moment arrivé pour nous travailler, pour nous jouer une bonne entente entre nous. Moi, je connais une grosse pression qui a baillé. Les gens qui décidaient, je voulais parler de conseiller des soldats de bonne volonté, qui décidaient de mettre tête ensemble. Pour yon ta joué rôle facilitateur, médiateur dans la crise là, mon al tire la caillou. Yon menace madame yon, petit yon, pour sa pa fait. Même dit nous, monsieur dame, nous rivez nous ka fou côté chaque monde dans le pays là, pour prendre courage. À demain, pour dire ça va faire avec. Parce que le peuple a un seul bagage qui demande nous. Un seul bagage qu'il a besoin. Le peuple haïtien a demandé la paix, je veux dire. Il va demander plus que ça. Il a demandé la paix. Et seul gens
que nous avons la paix que nous demandons, c'est nous chiter ensemble. C'est nous arriver à résoudre le problème qui gagne. Et qui est le plus gros problème qui gagne aujourd'hui? Le plus gros problème qui gagne aujourd'hui, c'est l'insécurité. Le plus gros problème qui gagne aujourd'hui, c'est la vie chère. Et le problème, ça n'a pas qu'à résoudre dans l'instabilité politique. Il n'y a qu'à résoudre dans la paix et la sérénité. Frère Maxime, le peuple haïtien, nous connaissons, nous sommes un peuple qui est résilient. Nous sommes résistés en bas pays. Nous sommes résistés en bas la vie chère. Nous sommes résistés en bas le coronavirus. Je dis à l'insécurité, prend une forme qui révolte tout le monde. Par un monde qui va révolter. Contre la forme ça qui est insécurité à bon jour. Mais, m'a dit nous, faut que nous continuions la bataille pour nous retirer le pays en bas de l'assassin. Je dis à m'arriver côté m'y est là. Moi, j'ai courage moi, pour me dire nos bagages, pour me dire nos vérités, cru, pour ne pas cacher rien encore. Mais m'a dit nous si nous faisons bac, pita, à pitris. C'est jodi pour nous construire solidarité ça, vivre ensemble ça, pour nous étonner le monde. Nous pas qu'à faire bac. Cri de cœur ça. Que m'a fait là, c'est pour me dire nous dans quatre coins pays, quel que soit côté nous, tout groupe organisé dans la société civile là, tout secteur dans le pays, paysans, femmes, diaspora, jeunesse là, en nous collant les épaules pour nous pas perdre ça qu'a fait qui beau aujourd'hui. Tant que vous avez fait barrage, Marion. Courant qui a mis dans tout le pays, route qui a fait offre que nous n'avons pas de paix, on est très bien. Nouveau constitution de la trier. Ça, ce n'est pas un bagage PAM, ni un bagage groupe PAM qui a pire. C'est pour nous tous. D'ailleurs, nous avons une année électorale, c'est aller pour aller. Maintenant, il y a ouais. Avec année Capvini 2022, nous avons fait pour voir, ça veut dire son l'autre président Capvini. Ce n'est pas moi. Ça qu'a fait, c'est pour tout Haïtien à la ronde qui a fait. Je dis aujourd'hui, mettez le peuple dans la situation. Jean ça toujours fait tout le temps pour nous lever contre l'autre là. Ça, c'est lui qui mène nous là côté nous. C'est lui qui fait aujourd'hui nous ces problèmes tout presque tout pays sur la terre. Tout nous a plein pour nous. En nous mettre tête nous ensemble. En nous mettre tête nous ensemble pour nous joindre. Bon Jean solution. Solution pour nous qu'a dit pour nous mettre pays à sur route la paix et la sérénité que nous tous besoin. Encore, ma blanche son appel à tout groupe organisé, j'aime ce que vous faites pour nous capables de mettre tête nous ensemble. Pour nous finir, ma demande est vous-même qui est en opposition, vous-même qui est en pouvoir. On fait une chaîne de solidarité avec le peuple pour nous gommer contre l'insécurité. Nous tous concernés, pas de monde qui n'est pas concerné. Qui est dans le pouvoir, qui est dans l'opposition, nous concernés. Lutte à mort, ça. Bataille acharnée pour contrôler le pouvoir, ça. En nous, mettez le sous-côté en nous. Venez nous chita. Pour nous, qui est plus bonne manière
nous capables de consolider l'État. Parce que nous avons dit, nous constatons que nous faisons côté de l'institution publique. Il y a un pile problème. Et si nous-mêmes, nous ne pas camper pour nous renforcer, parce qu'il n'y a pas faibli depuis longtemps, même sur la douane, côté nous aujourd'hui, il y a un pile travail qui fait pour déstabiliser la douane. Même féliciter chaque douanier, chaque femme, chaque garçon qui travaille dans la douane en général. Nous féliciter nous, nous quimber, nous arriver là. Il va arriver si mais pour division ça en Allemagne. Nous féliciter nous. Qui a des femmes pas la guerre. En nous tout ensemble pour te coller avec la police nationale pour bataille qu'a mené contre l'insécurité sous toute forme. Nous qu'a croire pour nous retourner vivre dans la paix. Dans la dignité avec la tolérance. Merci beaucoup. Une cérémonie d'inauguration, c'est une fête. Les douaniers sont en train de fêter et vous êtes là pour prendre part à cette fête. Nous voulons vous remercier. Nous sommes très contents et si vous êtes content d'être là, je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Un grand merci à chacun de vous. Parce que sans votre présence, cette cérémonie n'aurait pas lieu. C'est pourquoi nous voulons témoigner notre gratitude envers chacun de vous, le président de la République, le ministre des Finances, le directeur général des douanes, le représentant de la Banque mondiale, ainsi que toute l'équipe, toutes les personnes qui ont contribué à permettre à cette cérémonie d'avoir lieu et d'être un succès. Merci de votre présence, merci d'avoir permis à cette cérémonie d'être possible. Nous sommes arrivés au terme de la cérémonie, une cérémonie qui s'est déroulée autour du thème une administration moderne, transparente et performante pour une Haïti compétitive. Nous allons entendre un dernier morceau et la visite des lieux sera assurée par le directeur de la douane de l'aéroport de Port-au-Prince. Mais il faut également penser à et pour ce faire, le Père Hans Alexandre va nous conduire en prière, la prière de bénédiction par le Père Hans Alexandre. Vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît. Et du Saint-Esprit. Amen. Dieu créateur a établi l'homme sur l'œuvre de ses mains. Que le Seigneur soit toujours avec vous et votre esprit. La dignité du travail, le Christ Jésus l'a exalté. Lui, le Fils de Dieu, il a accepté d'être appelé le fils du charpentier. Il a voulu travailler de ses mains pour enlever au travail de l'homme l'antique malédiction du péché d'Adam et pour en faire une source de bénédiction. Quand l'homme travaille et s'occupe de l'ordre temporel en esprit d'offrande, il se purifie, il développe par son intelligence et son savoir-faire l'œuvre de la création.
il peut venir en aide aux pauvres et en union avec le Christ Rédempteur, il avance sur le chemin de l'amour. Bénissons Dieu et demandons-lui de répandre sa bénédiction sur tous ceux qui travailleront dans ce lieu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Ensemble. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Écoutons la parole du Seigneur tirée du livre de la Genèse, au chapitre 1er, du verset 27 au verset 31. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances, je n'ai pas le protocole, je ne connais pas tous les grands invités, mais je vous salue tous, Monsieur le Directeur Général de la Douane. Je vous remercie d'avoir voulu invoquer la bénédiction du Seigneur sur ce nouveau local pour l'inaugurer, bien sûr, mais pour reconnaître que tous les efforts humains sont déjà une bénédiction de Dieu. Dieu qui vous a donné la vie, qui vous a donné la santé, la force de pouvoir travailler malgré les épreuves qui sont inhérentes à la condition humaine. Le refrain du récit de la création nous dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous devons arriver à cette conclusion, nous aussi, dans nos démarches, dans nos initiatives, nous demander, c'est une évaluation personnelle à faire en toute conscience, en présence de Dieu, est-ce que je fais ce que je fais, c'est bon. C'est bon pour moi, c'est bon pour ma famille, c'est bon pour mon pays, c'est bon pour l'administration qui m'a été confiée. Demander la bénédiction, bénédiction vient de deux mots latins, benedicere, c'est bien dire. À chaque fois que vous direz de bonnes paroles, à chaque fois que vous ferez ce qui est bien, vous continuerez d'attirer la bénédiction du Seigneur sur vous-même et sur ce local. La douane est une administration de grande importance pour le pays. Le pays exista dès le début avec cette administration, même s'il n'était pas aussi moderne. En écoutant James entonner l'hymne national pour le pays et pour nos pères, j'ai pensé à tous les combats menés par les pères de la patrie
pour qu'Haïti soit reconnu comme État. Les frais douaniers ou bien les taxes douanières ont pesé lourd dans la balance de la reconnaissance de notre État. Par exemple, en 1825, c'était le 28 mai, le président américain John Quincy Adams, devant le Sénat américain, disait « On ne peut pas reconnaître encore l'indépendance de cette nation parce que Haïti a accordé des facilités douanières à d'autres États. » Effectivement, en avril 1825, le 17, Haïti avait accepté de payer une indemnité et aussi de donner des facilités douanières à la France, facilités qui avaient été accordées aussi à l'Angleterre qui protégeait Haïti. Aujourd'hui encore, et dans l'histoire de la douane, vous verrez comment le contrôle de la douane était important pour de grandes puissances étrangères. Aujourd'hui encore, la douane a un rôle prépondérant dans l'ordre à mettre dans notre pays, pour la sécurité, pour l'économie du pays et aussi pour la santé en cette époque de pandémie. Pour réaliser tout cela, je comprends bien que vous avez besoin de la force du Très-Haut, que vous avez besoin de son Esprit Saint pour discerner les bonnes décisions à prendre. C'est à chacun de nous, à vous aussi, employés de cette administration, d'apporter votre pierre à la construction toujours en chantier de cette nation. Nos pères ont fait ce qu'ils pouvaient, à nous aujourd'hui, de faire de notre mieux et de toujours nous redire en nous-mêmes, est-ce que ce que je fais, c'est bon, c'est bien? Est-ce que tout cela construit le pays? Dieu aime Haïti et bénira ce pays. Nous avons beaucoup de signes de sa bénédiction. Regardez la situation d'Haïti face à la pandémie. Que le Seigneur soit dans votre cœur pour vous fortifier dans vos moments de doute, de difficulté. Qu'il soit votre lumière pour vous éclairer. Qu'il soit aussi votre protecteur. Nous avons besoin d'être guidés, d'être protégés. Que Dieu soit toujours avec vous. Sa bénédiction est pour chacun de nous. Que vous soyez catholique, protestant, croyant ou pas, c'est le Dieu qui vous a créé, c'est le Dieu qui vous aime, qui veut votre bonheur. Qu'il soit avec vous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a créé le monde, il l'a rempli à merveille des signes de sa puissance. Il a aussi sanctifié les commencements du travail des hommes pour qu'à leur tour, ils contribuent de jour en jour par leurs efforts à achever l'œuvre de la création en prenant pour modèle la bonté du Créateur. Prions-le humblement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui nous as donné la loi du travail pour mener ta création à sa perfection, par notre intelligence et nos mains, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui as voulu que ton Fils, qui pour nous s'est fait homme, exerce le métier de charpentier, Seigneur, nous te bénissons.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui fais trouver le repos dans le Christ à ceux qui peinent sous le poids du travail, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui nous presses de veiller par notre travail à tout accomplir avec perfection, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui veux bien accepter l'offrande de notre travail pour qu'il contribue à notre pénitence, à la joie de nos frères et au soulagement des pauvres, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous venons d'invoquer la bénédiction du Seigneur, mais toujours est-il que la plus belle des prières est celle que le Christ nous a enseignée. Il nous a permis d'appeler Dieu Père. Prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu, dans la disposition de ta providence, tu veux bien combler de tes bénédictions toutes les activités de l'homme, celles du corps comme celles de l'intelligence. Accorde l'appui de ton secours à tous ceux qui, en ce lieu, chercheront à explorer des problèmes et à résoudre des difficultés, afin qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs recherches et qu'ils obtiennent les résultats recherchés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci au Père Hans Alexandre pour ce moment passé en prière. Téléspectateurs et auditeurs, nous voulons leur rappeler que aujourd'hui nous sommes le 12 avril 2021 et nous sommes en train de participer à la cérémonie d'inauguration de la douane de l'aéroport. Et la douane de l'aéroport a un directeur. Le directeur, c'est M. Hervé Joseph, c'est le numéro 1 de la douane de l'aéroport. Et parlant de numéro 1, je dois vous dire que le numéro 1 de l'administration générale des douanes, c'est bien M. Romain Bell, qui est mieux placé pour vous dire la bienvenue, si ce n'est le directeur général, M. Romain Bell. Veuillez l'accueillir, s'il vous plaît, par de vibrants applaudissements. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le Représentant de la Banque mondiale en Haïti, Monsieur le Directeur Général de l'AAN, Monsieur le Directeur Général de l'OFNAP, Monsieur le Directeur Général Adjoint de la GD, Monsieur le Représentant de la PNH, mesdames les opérateurs économiques et usagers de la douane de l'aéroport, mesdames, messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers collaborateurs de la douane, distingués invités, mesdames, messieurs. Je suis honoré de vous accueillir ce matin
dans l'enceinte du nouveau bâtiment qui va désormais loger le bureau de la douane de l'aéroport du Port-au-Prince. La construction de ce bâtiment est le fruit de la coopération entre la Banque mondiale et le gouvernement haïtien dans le cadre de l'infrastructure et des institutions. Monsieur le Président de la République, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, je profite de l'occasion pour vous remercier de cette dotation combien importante pour le bon fonctionnement de ce bureau. Car les vous mettez compétences avec bon genre d'infrastructure, ça va pas non, puis bon genre résultat. Je dis, hein, nous pas un discours traditionnel n'a fait, puisque le président de la République est présent, le ministre de l'économie et des finances est présent, mais nous avons seulement pour nous dire un mot de bienvenue. Eh bien, n'a dit collègue douanier nous, dans tout ça, président de la République a contrôlé, combattre corruption, combattre contrebande, combattre trafic illicite. Eh bien, je dis, hein, c'est tout fouille travail ça qui mettait nous là. N'a dit président, merci. N'a dit ministre financier, merci. Et n'a dit tout collègue douanier nous. Donc, en tant que douanier, nous gagnons une mission régalienne. Mission régalienne, on veut dire qui ça? C'est douanier, c'est nous-mêmes. Loi qui régit, ça n'est les brigades de contrôle de surveillance-là, qui a fait tout bon travail. Et je dis, c'est une opportunité pour nous dire félicitations à eux. Donc, nous ne pouvons jamais bouquer, faire ça nous pour nous faire en tant que douanier. Eh bien, m'a demandé tous les collègues douaniers là, c'est bien malheureux, le Premier ministre n'est pas présent, mais dans tout ça, n'a fait, il a toujours participé avec la douane, il collabore très bien avec nous. Le ministre de là, nous pas quitter ce là pas présent pour nous voir fleur pour lui, mais je dis, hein, maman des douaniers, pour nous battre un gros bravo pour le président de la République là, ensemble avec le ministre de qui là. S'il te plaît. Merci. J'aime te dire tout à l'heure, nous pas eu un discours n'a fait plus long, mais c'est un propos de bienvenue. Donc, le ministre national va faire un discours puisque le nouveau bâtiment, ça c'est en collaboration avec l'État haïtien et la Banque mondiale. Le ministre national puis bien placé avec le président de la République pour dire le mot du doigt. Merci. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Applaudissez. Fortement. Parce que je vous l'ai dit que j'ai eu une brève conversation avec l'un des ingénieurs. Il m'a dit que le bâtiment est assez solide pour supporter toute vibration d'applaudissement. Donc applaudissez s'il vous plaît. Bien avant d'entendre le ministre de l'économie et des finances, M. Michel Patrick Boisvert, nous allons entendre la locution du représentant de la Banque mondiale, M. Javier Suarez. La Banque mondiale a assuré le financement de ce bâtiment. Donc, c'est le représentant, M. Javier Suarez. Accueillez-le, s'il vous plaît, sur vos applaudissements. Merci, bonjour à tous. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le Directeur Général Adjoint des Douanes, Mesdames et Messieurs, permettez-moi pour commencer de saluer la ténacité et la participation de toutes celles et ceux qui ont consenti des efforts importants pour la concrétisation de ce projet. Aujourd'hui, la construction du bâtiment des douanes de l'aéroport est un écho du souci commun que nous partageons, celui de développer ce pays et de renforcer les capacités institutionnelles et ses infrastructures, tout en misant sur leur résilience. Le séisme du 12 janvier 2010 a provoqué en Haïti une situation sans précédent, aux répercussions gigantesques qui ont touché tous les secteurs de la société. C'est dans ce contexte que le projet de relèvement d'urgence des infrastructures et des institutions a été approuvé à peine 3 mois après cette tragédie. Monsieur le Président, ce projet qui visait à appuyer les efforts pour établir les capacités de gouvernance économique et financière, ainsi que les fonctions attachées aux infrastructures, était porté par une réflexion ambitieuse.
celle de la nécessité de répondre à l'urgence tout en apportant des solutions durables pour le futur du peuple haïtien. Ce projet a contribué dans un premier temps à financer la provision de services de base aux sinistrés, mobiliser les ressources pour la gestion des débris et pour l'évaluation du bâti fragilisé ou détruit par le séisme, rétablir les capacités clés des ministères des Finances en finançant la mise à disposition de nouveaux locaux, des outils de gestion et de contrôle interne et la mise en opération du système de paiement des fonctionnaires de l'État. Le projet, qui en 2010 relevait des défis donc urgents, a aussi contribué à poser des fondations pour le futur, y compris en finançant la réhabilitation des infrastructures de connectivité essentielles, telles que la route du Cap Labadie que vous avez inaugurée, Monsieur le Président, le 24 février 2018, et le pont Fauché, garantissant la mobilité de plus d'un million de personnes, ou encore en appuyant la modernisation et le renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles clés, telles que la Cour des comptes, la DGI, l'administration des douanes, et l'inauguration aujourd'hui de ce bâtiment en sont un exemple. Mesdames et messieurs, en investissant dans la construction de ce bâtiment, la Banque mondiale réitère sa volonté de supporter les actions visant au renforcement des capacités de l'État, à améliorer les conditions de travail de ses fonctionnaires et à renforcer les moyens de l'exercice des fonctions régaliennes. Les recettes fiscales, vous le savez, sont primordiales pour le développement durable. Elles donnent aux États les ressources nécessaires à l'investissement public, au programme de réduction de la pauvreté et la fourniture des services publics, ainsi qu'au renforcement des capacités de l'État et de sa capacité à répondre aux attentes des citoyens. Or, les recettes fiscales représentent aujourd'hui en Haïti moins de 7% du produit intérieur brut, un des niveaux les plus faibles au monde. Je tiens à saisir cette opportunité aujourd'hui pour réitérer l'urgence de renforcer la mobilisation des recettes, accompagnée par une politique budgétaire visant à augmenter la part des dépenses sociales et des dépenses d'investissement et accélérer ainsi la croissance économique et la réduction de la pauvreté et des inégalités. Monsieur le Président, la participation de la Banque mondiale, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, est aussi l'occasion de réitérer notre engagement à accompagner Haïti sur le chemin du développement durable. À travers notre programme et la richesse de notre partenariat, nous voulons continuer à être un partenaire du peuple haïtien et apporter tout notre appui aux efforts de développement équitable et soutenable du pays pour répondre ainsi aux aspirations des enfants, femmes et hommes de ce pays. Je vous remercie. À présent, c'est le tour du ministre de l'Économie et des Finances, M. Michel Patrick Boisvert, qui va nous présenter son allocution. Encore une fois, je vous demande d'applaudir chaudement le ministre de l'Économie et des Finances. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, Monsieur le Représentant de la Banque mondiale en Haïti, Directeur général de l'Administration générale des douanes, Monsieur le Directeur général de l'AAN, Monsieur le Directeur général de l'OFNAC, Messieurs les directeurs généraux adjoints de l'Administration générale des douanes, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Messieurs les représentants de l'unité de coordination de projet du ministère de l'Économie et des Finances, cadre de l'Administration générale des douanes, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, honorables invités, employés de l'Administration générale des douanes, Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'inauguration de ce nouveau local de la douane de l'aéroport arrive aujourd'hui à point nommé dans un contexte où l'Administration générale des douanes se doit de donner sa pleine performance en vue d'assurer une croissance continue
du niveau des recettes de l'État et contribuer par sa mission de protection à instaurer cette atmosphère de paix, de sécurité et de stabilité sociale que l'ensemble de la population appelle de tous ses voeux. Il s'agit d'un pas significatif accompli dans le sens de la volonté du chef de l'État de doter nos administrations publiques de capacités adéquates afin de les porter à se mettre plus efficacement au service de nos concitoyens. Par cette grande réalisation, au bénéfice de l'administration douanière, permettez-moi d'adresser au nom du président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, du Premier ministre Joseph Jout et du gouvernement, une salutation particulière à la représentation de la Banque mondiale en Haïti qui, depuis plus de 10 ans, n'a cessé de prouver au peuple haïtien la fidélité de son accompagnement à travers le financement continu de programmes de renforcement des infrastructures et des institutions du pays. Dans cet élan, je ne peux m'empêcher de rappeler ici la ténacité de M. Mamadou Laram Demé, co-responsable du projet de relèvement d'urgence des infrastructures et des institutions, qui a séjourné plus de 4 ans en Haïti à la tête de ce projet et qui s'est particulièrement dépensé pour la concrétisation du bâtiment administratif de la douane de l'aéroport. Nous lui disons un cordial remerciement, ainsi qu'à l'ensemble de la représentation de la Banque mondiale en Haïti, qui, à travers un accord de don signé en avril 2010 avec le gouvernement, avait mis en place un programme de réhabilitation de certaines infrastructures et institutions publiques en vue d'assister les autorités haïtiennes dans leurs efforts de recouvrement des infrastructures du pays suite au tremblement de terre de janvier 2010 qui avait détruit une bonne partie des bâtiments publics. Parmi ces institutions publiques fortement endommagées figurait le bureau de la douane de l'aéroport pour laquelle la construction de ce nouveau bâtiment a été projeté. Lancé en août 2014, les travaux de construction de ce nouveau bâtiment ont été réceptionnés depuis le 12 juin 2018. Dans ce cadre, le financement par la Banque mondiale a atteint le montant de 3 442 939,91 dollars américains, incluant acquisition d'équipements mobiliers et travaux additionnels dans l'ancien bâtiment de l'AGD et clôture bornant le côté est du site du nouveau bâtiment administratif. En raison de la destination de l'ouvrage, devant abriter des équipements sécuritaires sensibles, la Direction générale de la douane se devait de solliciter des travaux complémentaires de renforcement des infrastructures et de sécurisation des lieux qui ont pris du temps et qui justifient ce retard mis à inaugurer et à investir ces nouveaux locaux. Il s'agit entre autres de la construction des salles de serveurs, fournitures et l'installation de câbles de connexion de réseau informatique pour le monitoring des serveurs et des caméras de surveillance des bâtiments. Ces travaux complémentaires ont été financés par le Trésor public à travers l'Administration générale des douanes pour un montant total de 472 346,91 centimes. Ainsi, suite à la finalisation de ces différents travaux exécutés à la pleine satisfaction des responsables de l'AGD, le ministère de l'Économie et des Finances a le plaisir de présenter aujourd'hui au public ce nouveau bâtiment administratif de l'Administration générale des douanes. La construction de ce nouveau bâtiment, situé à proximité de l'aéroport de Port international de Port-au-Prince,
s'inscrit dans le cadre de la modernisation des administrations fiscales et douanières engagées par le gouvernement. Il constitue un maillon supplémentaire dans la mise en place du guichet unique entrepris par l'AGD avec la collaboration de la CNUSED et contribuera largement encore à faire augmenter les recettes de l'État. En invitant aujourd'hui l'ensemble de la direction de l'AGD à poursuivre la mise en œuvre des travaux de modernisation des administrations fiscales et douanières, je formule le vœu que l'ensemble du personnel de la douane de l'aéroport, qui va désormais occuper ce bâtiment, puisse trouver des conditions de travail stimulantes pour donner sa pleine performance tant dans la perception des recettes fiscales que dans la lutte contre les trafics illicites de toutes sortes, comme la vente illégale d'armes à feu qui a mis des familles à genoux et gâché l'avenir de plusieurs de nos jeunes. Je vous souhaite donc de profiter le plus possible de ce nouvel espace bâtiment parasismique et paracyclonique. Et l'ingénieur a parlé de murs de réfance. Ce sont des murs capables de distribuer les effets sismiques. Les semelles sont isolées et scellantes. Et la classification parasismique, c'est un bâtiment de catégorie 4. Donc parmi les bâtiments les plus sophistiqués, modernes, construits parasismiques, c'est le niveau 4, c'est en quatrième position. Et c'est pour vous dire que c'est un bâtiment moderne, capable non seulement, comme je l'ai dit, capable de supporter vos vibrants applaudissements, mais aussi les menaces sismiques et cycloniques. Nous allons entendre le dernier orateur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous